Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo genre c'est super bizarre de commencer comme ça. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo dans ma cuisine tout simplement parce que la première chose que je fais le matin en dehors d'aller aux toilettes, mais je me suis dit que j'avais quand même pas commencé cette vidéo aux toilettes, ce serait un peu bizarre. Moi la première chose que je fais le matin, je mange avant de me préparer et tout parce que je meurs de faim le matin. Je peux pas, sinon je tombe dans les pommes si jamais je commence par me maquiller ou me coiffer, peu importe. Et aujourd'hui c'est donc vous qui contrôlez ma journée, ou en tout cas mes abonnés Instagram qui contrôlent ma journée. J'espère que vous me suivez sur Instagram, au moins vous avez tous pu participer. Mon pseudo Instagram c'est le même que sur YouTube, Noémie Makeup Touch. Et j'ai commencé hier soir par vous poster l'heure à laquelle je devais me lever, c'est-à-dire 7h ou 7h30. Habituellement je me serais levée direct à 7h puisque c'est maintenant l'heure à laquelle je me lève tous les matins. Sauf que j'étais vraiment méga fatiguée. Et vous avez choisi 7h30. Donc j'étais trop contente. Je trouvais ça tellement gentil, attentionné. 65% à 7h30 et 35% à 7h. Et là, je vous ai demandé quel petit déjeuner j'allais manger. Ou en tout cas, est-ce que je mange une gaufre ou du pain chaud que je vais mettre au four. Les gaufres, c'est des gaufres surgelées aussi. Donc j'ai allumé le four, forcément, c'est ça que vous entendez. Et on va découvrir ça ensemble. Et c'est... Ça va pas marcher. Des gaufres ! Ok, bon bah c'est parti, on va faire chauffer une gaufre du coup. Ça y est, ma gaufre est prête. J'ai mis des blueberries, j'allais dire du jardin, mais non. Et des... Groseilles. Groseilles, merci. Bonjour Tanguy. Salut. Heureusement, j'ai un caméraman quand même pour m'aider. Et des groseilles du jardin. On est allé les chercher là dans le jardin, Tanguy y est allé. Et ben voilà, j'ai envie de dire bon appétit. Pas la gaufre de l'année, hein. J'ai dû la laisser trop refroidir parce qu'elle est pas ouf. Bon, passons à l'étape suivante. Bon, alors là les gars, je suis dans un dilemme. C'est-à-dire que j'ai tout mon make-up que je reçois au fur et à mesure et tout, que je mets dans une grosse panière et un peu sur le côté et tout, enfin un peu partout dans la pièce maquillage parce que j'ai plus trop de place. Et donc j'hésite à soit utiliser que du nouveau make-up là devant vous, mais en accéléré sinon ça va être long, ou utiliser tout ce que j'ai dans cette pochette. Bon, j'ai plusieurs palettes, elle est assez grande mine, hein, cette pochette. Là-dedans, c'est tout mon maquillage que j'utilise tous les jours, donc bah, vu que c'est vous qui décidez, je vais vous demander. Ok, donc le temps que vous puissiez un petit peu trancher, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes cheveux, tout simplement parce que je mets pas de chaleur dans mes cheveux tous les jours. Je le fais uniquement quand je me lave les cheveux, donc tous les 5 jours à peu près. Et entre temps, c'est soit bah, j'ai mon lissage et donc j'ai rien à faire à part me brosser les cheveux, mettre du shampoing sec et de l'huile, ou soit j'ai mes boucles et pareil j'ai rien à faire à part mettre du shampoing sec, me brosser les cheveux et mettre de l'huile. C'est juste que c'est deux procédés un peu différents. Donc j'utilise l'énorme shampoing sec comme ça de chez Baptiste que j'avais acheté en Angleterre. Alors par contre, je vais me servir de cette caméra. Si jamais vous voulez pas vous salir les mains parce que vous êtes nombreuses à me dire que celui-ci il est très salissant, et c'est vrai, ça vous bousille le vernis et tout, puisque ça a vraiment tendance à s'accrocher puisqu'il est marron, il est pour les brunes, bien prenez une petite serviette, moi c'est une serviette de maquillage, je l'utilise pour plein de trucs, mais la lave bien sûr avant de faire quoi que ce soit, et frottez directement vos racines. Là j'ai vraiment l'air con, mais bon c'est la vérité donc... Ensuite je brosse mais... assez délicatement, j'y vais pas comme une barbare. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que c'est nickel, comme ça il n'y a pas besoin de faire les boucles ou le lissage tous les jours à partir du moment où vous prenez vraiment soin de vos cheveux. Bref, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez voté les gars? Comme d'habitude, 13% des nouveautés, 87%, donc on va commencer tout de suite. Bon, première chose, je vais comme d'habitude utiliser mes produits actuels pour les sourcils. Bon, je vais quand même utiliser en accéléré parce que sinon ça va vraiment prendre 2 heures. Mais ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous mettre tout et mon avis en barre d'infos.
J'ai l'air très blanche, je sais pas ce qui se passe. Pourtant ça va, j'ai quand même des couleurs. J'ai terminé mon make-up, maintenant on va passer à la tenue. Alors, pour ceux qui ne suivent pas les vlogs, on est dans mon ancienne pièce maquillage, c'est pour ça que vous connaissez peut-être, mais maintenant c'est le dressing. Je vous ai demandé quelle tenue porter, donc je vous ai proposé cette jupe en jean que j'aime trop avec un crop top blanc que je porte genre tout le temps. Vraiment H24, j'avais payé que dalle en plus. Ou alors un jean tout simple de chez Zara, si je dis pas de bêtises, ouais. Jean slim tout simple, avec un haut toujours à épaules dénudées parce que j'adore ça. Ok, donc c'est la jupe et le crop top qui l'emporte. Là vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle a foutu celle-ci, elle nous a jamais proposé ce pantalon. C'est vrai, j'ai taché ma jupe en voulant faire une retouche. J'ai mon crayon qui s'est cassé, qui est tombé sur ma jupe, et en voulant le ramasser, je l'ai étalé sur ma jupe. Donc je suis dégoûtée, j'espère que ça va partir. Bon, j'avais ça, en plus rouge, ça a commencé à bien accrocher avec les pigments rouges, en plus je vous raconte pas. Bref, du coup, j'ai fait simple, j'ai gardé le haut que vous avez choisi, et j'ai rajouté un jean. J'espère que j'aurai pas trop chaud, c'est vrai que la jupe aurait été plus adaptée. Et du coup, j'ai mis des Converse rouges, puisque tout simplement, j'ai l'intention d'aller me promener un peu aujourd'hui, de faire beaucoup de route et tout, donc il faut que je sois confortable. Et ben voilà, je vais vous demander si vous êtes ok pour le programme que j'ai prévu aujourd'hui. J'espère que oui, et c'est parti. Alors là, le plan c'est d'aller au plateau de Valensole puisque vous avez voté pour oui. J'étais trop trop contente. Il y en a quand même qui ont voté non, hein. Il y en a qui doivent pas m'aimer, qui doivent dire non, on veut pas qu'elle aille, ouais, on veut qu'elle aille à Valensole, on sait qu'elle a trop envie d'y aller. Non, je plaisante bien sûr, mais du coup ouais, on va au plateau de Valensole et je suis trop contente, j'ai hâte de vous montrer. Du coup le plan c'est d'aller faire des photos de ouf, il faut vraiment que je fasse des photos de ouf parce qu'on a voté pour des photos de ouf. Bon alors là Noémie, et donc on est arrivé au plateau de Valensole. Et Noémie part pour aller faire une photo au milieu. Le problème c'est qu'il y a plein d'abeilles. Et c'est le problème des lavandes. Parce que moi je me rappelle quand on était jeune, qu'on allait au lac de Sainte-Croix, on passait par là. Et à chaque fois on disait fermez-les vite, il y a les abeilles. Parce que les abeilles elles traversent la route comme des furies. Et vous les prenez dans la voiture. Et là Noémie elle est en train de vaincre les abeilles. Bon ça va bien se passer. Franchement c'est parce que je vous aime. Les amis, je profite de l'entracte. Il y a une fanfare en fait, du coup depuis tout à l'heure j'arrive pas à vous parler. Du coup là le sondage, j'arrive jamais à retenir ce mot, c'est un truc de ouf le sondage. Et du coup 28% pizza. Non, poisson. 28% poisson. Parce que t'as pris la pizza. Et oui, j'ai pris la pizza, merde. 28% poisson, moi je voulais trop du poisson, décidément, rien ne se passe comme j'en ai envie. Mais bon, c'est aussi décidé, donc j'ai pris la pizza, en fait c'est... j'ai marqué pizza, mais c'est des tartines en fait, c'est pas... Mais bon, si je vais noter exactement ce que c'était écrit, j'en avais pour 2 heures, il me fallait 15 sondages. Donc voilà, pour moi ce sera pizza. Et pour Tanguy? Entrecôte. Entrecôte. Bon, chers amis, on continue cette vidéo. Ça me fait bizarre que ce soit une vidéo pour la chaîne principale avec la caméra de vlog. Mais vous avez voté pour aller à Primark. Je suis trop contente. À chaque fois, je suis vraiment en stress. Je me dis, oh, c'est vraiment pas moi qui contrôle ma journée. Je suis pas maître de mes propres choix. Je trouve ça hyper déstabilisant. Donc, heureusement, vous vous mettez vraiment à ma place. Sauf pour le poisson. J'aurais bien mangé un poisson à midi. Mais du coup, ouais, on va à Primark. Je suis super contente, ça fait 1000 ans que j'y suis pas allée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde en plus. C'est bientôt les soldes, donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Hein. Même si on est samedi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est samedi, donc c'est pas le meilleur. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sur personne. La route. Bientôt l'été aussi. Donc les gens ils ont autre chose à foutre. Hein. Faut arrêter de parler de la même façon, ça craint, c'est le vieux couple ça. Donc, direction Primark. Et pas que, bien sûr, il y a d'autres choses à tour autour, donc on ira autour. Bon les gars, je prends la vidéo en main. Le Primark était une très mauvaise idée. J'avais prévenu. Ce Primark le samedi, c'est l'angoisse. Retourner de tous les côtés et tout, j'ai rien pris. C'était un fail. On ne recommencera pas cette histoire un samedi. Alors la prochaine fois que vous avez des bonnes idées comme ça, abstenez-vous. Vous auriez pu dire non. Hein. Merci, je vous dis pas merci. Bon, on va continuer c'est maintenant qu'on est là. On pas que c'est pas allez, je te rends le truc. Non mais c'est bon, j'arrête. Bon,
chers amis, je suis désolée pour le cadrage dégueulasse, mais dans cette voiture ce serait comme ça. Ça va pas du tout dans cette voiture. On a une menace ici présente qui en a marre des magasins alors qu'on a fait une demi-heure de magasin. Oh, j'en peux plus. Alors, je me suis pris chez Adopt, je vous ai fait voter entre deux bracelets de cheville, et sachez qu'à la base, j'en voulais trois. C'est ça. Et on en a éliminé un déjà. Ouais, par dépit. Et ensuite, vous avez éliminé mon préféré. Mais celui-ci est très joli quand même. Il y en a quand même des magnifiques à Adopt. Et en plus, c'est en acier. Du coup, ça ne bouge pas. Vous pouvez vous baigner avec et tout sans problème. En vrai, j'imagine que l'eau de la mer, le chlore de la piscine et tout, c'est un peu moyen. Donc, je vous ai fait voter pour ça. Et ensuite, je me suis pris chez Zara deux tenues en fait. Mais je vous les montre pas tout simplement parce que c'est pour un tournage vraiment trop cool et important pour moi. Du coup, je suis allée me chercher deux tenues. Donc, je vous ai pas fait voter. Je suis en galère. Je vous ai pas fait voter tout simplement parce que pour le tournage, il y a des tenues, il y a des couleurs que je ne vais pas porter par rapport à quelque chose de mon maquillage. Les poids, c'est pas possible. Les rayures, c'est pas possible. Donc, je vous ai pas fait voter. C'était trop compliqué. Par contre, vous avez voté pour que je me prenne ce aussi sur lequel j'ai complètement craqué. Alors, Tanguy le déteste. Hein, Tanguy ? C'est pas que je le déteste, c'est qu'on dirait un pyjama. Par contre, les bretelles. Ça fait pyjama. Bah, les bretelles sont trop longues là. Faudra faire des nœuds pour mettre des petites pinces à linge. On va faire des nœuds. T'as pas le choix là. Ouais. Ça fait un peu enfant, mais bon. Donc, grillé comme ça, d'un joli violet, d'un joli blanc crème, et avec de la dentelle ici. Donc, ça, je ne mettrai pas au tournage, hein, vu que c'est à rayures. Mais vous savez, pour les caméras, en fait, il faut pas mettre de rayures ou de poids. Mais du coup, voilà. En gros, vous avez voté pour celui-ci. Il existe qu'en SML. Vous connaissez mon avis là-dessus, ça me sidère un peu. Mais sinon, il coûte 15,95€ et franchement, il est trop beau. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va à Aix. On a des choses à acheter. Parce qu'en fait, il y a l'adaptateur pour récupérer nos photos sur nos téléphones qui nous sert absolument tous les jours pour notre boulot. Et ben, on l'a perdu. Et ensuite, l'adaptateur Mac, puisque Apple, ils sont intelligents, ils font des adaptateurs pour tout, comme ça vous êtes obligé de tout acheter. Il s'est cassé. Tout dans la même semaine. Donc on n'a plus rien, on peut plus faire nos montages, on peut plus importer nos photos dans mon téléphone. Si on peut, mais à partir de l'ordinateur via AirDrop. C'est moins pratique. C'est moins pratique, voilà. Donc ouais, let's go, on va à la Fnac et ensuite on va goûter et c'est vous qui avez décidé du goûter. Let's go. On n'est pas content. On n'est pas content. Vous avez choisi de manger la glace. Ouais, parce qu'en fait, je vous ai dit soir. En fait, j'ai essayé de vous aiguiller un peu. Je vous ai dit, excusez-moi, je suis tout essoufflée, on a tout monté. C'est 5 étages, je suis au bout. En fait, on vous a demandé soit un muffin ou un cookie de Columbus. Et genre, muffin ou cookie sont trop bons. Vous mangez assis et tout, vous êtes trop bien. Et en plus, je vous ai aiguillé. J'ai vraiment fait la connasse quand même. Ouais. Parce que hein, c'est eux qui décident. Soit un super bon truc chez Columbus, soit une glace. Ouais. Et vous l'avez senti venir, vous n'êtes pas dupe, vous avez vous dit une glace. Exactement. Ouh là là, il y a de la danse là en plein milieu. Oh, quelle salsa. Et du coup, on a pris des California Bliss. Ouais. Toi, la tienne, elle est énorme. Hein. Ouais. Donc, moi, j'ai mis des framboises, des Smarties, des billes de chocolat, du granola. Le granola, je regrette un peu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je peux en manger tous les jours à la maison. Donc, il a mis des meringues, de la fraise, de la mangue et du kiwi. Ça a l'air trop bon. Et toi, t'as pris juste vanille ? Non, vanille ananas. Vanille ananas, ouais. Moi, j'ai. Oh non ! Oh non, elle est foutue, gâchée. Ah bah là, c'est mort, hein. Elle est toute gâchée. Foutu, là. Et moi, j'ai pris noix de coco, vanille. On va manger parce que là, elles sont en train de fondre. À peine, on les a vues, elles sont en train de fondre. Vitesse ah ouais. Quoi. Ouais. Allez, à table. Maison du monde ! J'ai voté pour Maison du monde, les gars, je vous aime trop. Bon, je tiens à préciser que je n'ai rien acheté à Maison du monde parce que. Je veux pas acheter sachant qu'on déménage. C'est con. Mmh. Ce sera pas. Peut-être que dans l'autre maison, ça nous plaira plus. Enfin, tu vois. C'est sûr. Donc, ah oui, si vous le saviez pas, suivez-nous sur la chaîne de vlog. On déménage, on vous l'a. Ah merde. On vous l'a pas encore annoncé. On l'a pas encore annoncé, Tanguy. Bah, on vous l'annoncera bientôt. C'est pas grave, on vous l'annonce ce soir dans le vlog à 17h30. Bon, et bien voilà. Merci d'avoir voté pour les fleurs, les gars, puisque j'adore ça. Et du coup, j'ai pris des roses roses parce que je voulais prendre d'autres choses, mais Tanguy était là. Non, c'est nul, c'est moche, on prend pas celle-là. On aurait dit des chrysanthèmes. Non, non, à chaque fois, Grégoun, tu ne t'appelles pas Grégoun, non, non, non. Tu n'es pas mon frère. Et du coup, ouais, à chaque fois que je choisis des fleurs, oh, ils veulent pas tous se taire. Hein. Ouais, on s'entend pas. Depuis ce matin, je m'entends pas. Je vais épuisé depuis ce matin, je dois hurler. Déjà que j'hurle, imaginez-vous à quel point Tanguy a les oreilles qui saignent, vous le voyez ou pas. Tanguy, ouais, parce que je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je suis encore plus insupportable. Tanguy, à chaque fois que je choisis des fleurs, il me dit c'est des fleurs d'enterrement. Arrête avec tes chrysanthèmes. Mais alors que c'est jamais des chrysanthèmes.
C'était pas des chrysanthèmes là hein? Oh, on aurait dit. Allez, ça ressemble fort. Voilà, c'est des chrysanthèmes ça? Ça non, ça ressemble. Non, c'est toi qui les as choisis. Bah oui. J'ai très bon goût en fait. Oh, merci, d'accord. Bon, allez. Ah merde, j'ai posé une question, on est en train de rentrer. Ah oui. Mais non, là moi j'allais à Monoprix. Ah ouais, t'as pas regardé le sondage. Mais non. Toi tu te fais tes propres réponses. Donc, je sens que ce soir ça va être chacun de son côté. Chacun sa gueule hein. Toi McDo, moi plateau télé. Non, donc on a demandé, puisque moi je veux faire un plateau télé. Enfin, on va faire comme ça. Moi je veux faire un plateau télé et tant. Tu filmes quoi? Et tant, bah je te filme toi. Ah, regarde, attends, il a le même épi que toi ton vlog. Ça c'est petit. Et du coup, moi je vais faire un plateau télé et Tanguy un McDo. Donc, comment on fait? Donc, on va. Je vais voter, j'ai pas voté moi pour un McDo. Oh bah, t'es dégueulasse, bah je vote aussi alors pour un plateau télé. Toi t'as pas le droit de voter. Si, j'ai le droit. Victoire, les amis, non, bravo, contre, vous avez très bien voté. Ce soir, ça sera McDo. On va laisser Noémie, elle va aller partir plus, toute seule parce qu'elle fait la gueule. Dans la story. Oui, je fais la gueule. Eh oui, elle fait la gueule. Je rêvais des curly donuts là. Tout à l'heure, elle m'a dit ce soir, je me fais un plateau télé. Ah, tu vas voir ce soir un plateau télé que Nini. Et dans la story, j'ai dit Tanguy préfère faire un McDo et moi un plateau télé. Et tout le monde vote pour le McDo. C'est normal. Donc, tout le monde préfère Tanguy, bah, oui, alors je vais pas. C'est terminé. T'es à peine extrême. T'as balancé de l'eau partout. Mais non, il y avait quelqu'un qui passait ou pas? Non, heureusement, par heureusement. Chance. Bon, du coup, on va rentrer et se prendre un McDo, arriver à la maison. Bah super, dans 3 heures, c'est génial. Les gars, on va avoir un accident. J'ai mangé mon rouge à lèvres. Ah bon, je vous vois pas trop, le soleil est rasant. Et du coup, on est allé chercher McDo. Oh ouais, bah, y en a qu'un qui est content. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris un cheese. Et attendez, je vais vous montrer. Big Mac pour Tanguy, Coca pour Tanguy, frites pour Tanguy. D'ailleurs, on peut lui en piquer une. On a le droit. Miam, miam, miam. Et moi, je me suis pris un maxi best-of avec des M&M's et un cheese. Voilà. Je me suis trompée. J'ai pris un McFlurry avec un cheese. Et c'est pas. Je dis quoi? Je me disais, mais le maxi best-of, c'est moi. Toi t'as rien pris, je te bouffe tout. Bah ouais. Par principe. Tu mens. Je mens aux abonnés. Non, j'ai pris un cheese, non mais frère, excusez-moi, je suis un peu pauvre. Oh, j'aurais pu en parler, j'ai une frite dans la bouche, j'ai bouffé mon rouge à lèvres. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu, hein, Tanguy. Oui. Et ben voilà, à bientôt. Bisous.